ils ont fini de manger, au lieu de balayer, ils ont laissé tout ça, ils sont rentrés chez eux. Mais dis donc! Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoban. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanskoban. Vous le savez déjà, bienvenue. Aujourd'hui, nous voulons vous faire partager notre expérience, notre nouvelle expérience. Aujourd'hui, nous sortons, nous allons dans un endroit insolite. Soyez prêts, ça va vraiment être chaud. Ce que nous allons voir sera extraordinaire. Ça nous permettra aussi de découvrir combien de fois Dieu est fort et combien de fois il est grand, il est extraordinaire. Ok. Let's go. Suivez-nous aujourd'hui. Let's go. Waouh, il me semble qu'après la fête d'hier, tout le monde est rentré chez lui. Regardez. Waouh. Ok, suivez-nous. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore commencé. Let's go. Vous le voyez, je suis sorti. Il me rend un lieu intéressant. Suivez-nous. Waouh, c'est extraordinaire. C'est quoi ça? Je ne veux pas ce que c'est. Ok, c'est parti. Vous me demandez franchement où je vais. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Suivez-nous sur vous. Vous découvrirez les choses extraordinaires aujourd'hui. Voilà, la belle création de Dieu. Regardez-vous de vous. Extraordinaire. Waouh. Et là, je suis sur le pont. Regardez autour de moi. Waouh, regardez ça. Regardez à l'arrière. Waouh, c'est beau. Waouh, regardez. Hein? Waouh, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Nous allons essayer de faire une mise en situation de quelque chose qu'on raconte sur les sirènes. Les sirènes qui sortent de l'eau. Voilà. Nous allons essayer de faire la mise en situation. Alors, suivez-nous. C'est parti, suivez-nous. Ok. Ici, on va descendre du pont. Regardez là-bas. Voilà, ce que vous voyez. Voilà. On descend. Voilà. Bien. Ok, suivez-nous. Une, deux. Wouh! Wow! Bienvenue. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Oiseaux, c'est possible, mais regardez aussi ce qu'on voit, c'est extraordinaire. Wow. Ok, approchons-nous pour découvrir réellement ce qui se passe. On saute. Ok, voilà. On nous parle beaucoup des sirènes, excusez-moi pour le bruit. On nous parle beaucoup des sirènes et on nous dit que les sirènes, ce sont des créatures qui vivent dans l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons voir si c'est vrai ou ces créatures pourraient vraiment venir se positionner ou encore se loger. Ça nous intéresse. On aimerait bien savoir ou encore voir ça. Ici, bienvenue. Vous voyez des pirogues, c'est normal. Voilà. Et regardez à l'arrière. Waouh, c'est extraordinaire. Regardez ça. Et ça s'étend aussi des kilomètres. Hein. Regardez. Des milliers de kilomètres. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est l'océan Atlantique. Bienvenue sur l'océan Atlantique. On nous a expliqué que les sirènes sont des créatures du monde des ténèbres. Et ces créatures vivent où? Là-bas,
dans l'océan, dans les eaux, en un mot. On nous a aussi dit que là-bas, sous l'eau, il y a un autre monde là-bas. On nous dit qu'il y a des gens qui vivent et le monde qui est là-bas ressemble un peu à notre monde. Est-ce que vous croyez à ça? Apparemment, quand on voit, on regarde, est-ce qu'on peut croire que la sirène, elle est ici? Dites-moi, est-ce que vous pouvez croire? Mais les témoignages que nous ont rendus les ex-satanistes nous expliquaient que parfois les sirènes, ils observent les bateaux ou encore les pirogues qui arrivent comme ça. Et qu'est-ce que les sirènes font? Elles se préparent à renverser ces bateaux et consommer les humains qui s'y trouvent. Ah! Ce sont des histoires, c'est possible. Mais pourquoi se fait-il que beaucoup de personnes adorent les sirènes et croient fermement aux sirènes si elles n'existaient pas? Et quand on voit ici, on peut voir clairement que c'est un espace grand, cette ombre, cet espace, voilà, cet océan est vraiment grand. On entend même les bruits. Vous m'attendez à peine à cause du vent et le bruit que ça fait. Mais franchement, c'est assez impressionnant. Regardez encore, regardez encore. 3-4. Ok, quelle est votre décision finale? Que pensez-vous de cela? C'était une belle vidéo. Oui, nous vous avons promis que nous allons partager nos expériences ensemble parce que nous sommes une famille ici. Et j'ai été curieux de savoir, mais comment se fait-il que des créatures du monde des ténèbres puissent quitter un espace qui a été créé par Dieu? C'est parce que au commencement, des démons ou encore des anges déchus qui sont tombés du ciel avec Satan, bien entendu, sont tombés là-bas. Est-ce que vous voyez? Là-bas. Et ce sont eux, aujourd'hui, transformés en femmes poissons, qu'on appelle généralement les sirènes, c'est possible. C'est sûr, sûrement, sinon qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous croyez à l'histoire des sirènes? Est-ce que vous croyez que souvent la sirène quitte là-bas? Regardez bien, vous venez ici, dans notre monde, là, même pour marier les humains. Ce sont des histoires assez compliquées, mais ce sont des histoires également racontées par des ex-satanistes. Franchement, je pense qu'il faut croire sans avoir vu. Il y a décidément un autre monde qui se cache à l'arrière. Et nous devons découvrir ces choses. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour essayer de faire une mise en situation. Que c'est à quoi ça correspond physiquement, pour être plus simple. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui parlent des sirènes. Même le témoignage puissant que nous venons de poster parle de sirènes, des frères et sœurs, croyez sans avoir vu, d'avoir véritablement un autre monde là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous, activez la cloche, laissez un j'aime si vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous aimez de telles vidéos, nous ferons encore d'autres vidéos où nous vous montrerons encore des choses extraordinaires qui vont venir. Ce n'est que le commencement, alors soyez prêts. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent nos vidéos, qui nous soutiennent par les dons.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout. Merci beaucoup. Après toute cette histoire, finalement, je rentre à la maison et voici, regardez. On voit quoi ici? On voit un chien. Un animal insolite, regardez. Il me suit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Waouh! Donc, comme vous le voyez, là, je viens de rencontrer une maman là, donc il n'y a plus d'épouse. Donc, comme vous le voyez, regardez comme c'est extraordinaire. Waouh! Ils ont fini de manger, au lieu de balayer, ils ont laissé tout ça, ils sont rentrés chez eux. Mais dis donc! Ok, c'est la vidéo que nous avons présentée hier. Voilà une cérémonie de mariage. Et aujourd'hui, il y a de grandes choses qui se passent. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et bon visionnage à vous pour la prochaine vidéo. Ça va être tout simplement chaud. Et c'est sûr que bon que tout se passe. Let's go. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des arbres. Mais qu'est-ce que ça fout là? Regardez la position, on a l'impression que la maison même ressemble à un arbre. Non, c'est juste la décoration. Ne vous inquiétez pas. Ça va être chaud. Ok, let's go. Que Dieu vous bénisse.